Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres de votre journal. Dans le secteur sanitaire, un séminaire s'est ouvert dans le but de divulguer les résultats d'une enquête démographique et de santé. Constat, une baisse du taux de prévalence globale, même si les femmes restent encore les plus touchées. Et puis, clôture ce jeudi à Libreville du 8e module de la formation continue de journalistes de la presse publique et privée du Gabon. Une formation organisée par le ministère de la Communication dans le but de rendre plus compétitifs les hommes et les femmes des médias gabonais. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, comme je vous disais en titre, un séminaire de dissémination des résultats de l'enquête démographique et de santé visant à mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des programmes sanitaires et des politiques de développement dans chaque pays s'est ouvert ce jeudi à Libreville en présence du ministre de la Santé. Les détails dans ce reportage de Douglas Tumtum et Justin Bitégué. Jusqu'en 2012 au Gabon, la prévalence du VIH-Sida était à 5%, des chiffres obsolètes aujourd'hui après cette enquête. La prévalence du VIH-Sida chez les 15 à 49 ans est désormais de 4,1%. Elle est plus élevée chez la femme malheureusement, avec 5,8% que chez l'homme où elle est de l'ordre de 2,2%. Chez les jeunes de 15 à 24 ans, la prévalence est de 1,5%. Cela reste malheureusement une préoccupation majeure sur ces différents pans de la société. Ces résultats montrent que la prévalence du VIH-Sida dans la population générale demeure, comme je le disais, malheureusement élevée du fait de la persistance des comportements à risque. En cette journée mondiale de la population, le gouvernement sollicite la participation et l'engagement de tous pour davantage améliorer les indicateurs. Les principaux résultats indiquent une amélioration des indicateurs par rapport à la dernière enquête de 2000. On note que 95% des mères ont reçu des soins prénataux et 90% des naissances ont été assistées par un personnel formé. De même, on relève une tendance régulière à la baisse du niveau de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Précisons que cette enquête, la deuxième du genre au Gabon, a été initiée en 2012 suite à l'insuffisance de données statistiques fiables, sachant que la dernière enquête date des années 2000. En journalisme, dans le cadre de la formation continue des journalistes de la presse publique et privée du Gabon, le ministère de la Communication a procédé à la clôture du 8e module de cette formation qui est entré dans sa dernière ligne droite. Reportage de Martial Tsonga et de Justin Bitégué. Journalisme d'agence, c'est le module de formation qui a été abordé pendant 15 jours par le formateur Fernand Tona et les journalistes stagiaires de la presse publique et privée qui n'ont pas manqué d'apprécier la qualité des échanges. Nous avons beaucoup appris comment est-ce qu'un journaliste qui travaille en agence doit traiter son article et comment est-ce qu'il doit le publier. La formation continue du 8e module des journalistes prend fin à la satisfaction du ministère du tutelle. Ce 8e et avant module de la formation continue est axé ou était axé sur le journalisme d'agence. Un aspect des plus importants et des plus rigoureux dans l'exercice de la profession de journaliste. Mesdames et messieurs, ce module est donc l'avant-dernier et c'est ici l'occasion de remercier le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste, nos partenaires de l'APA, ainsi que toutes les bonnes volontés, toutes les initiatives qui ont permis la réussite de cette formation continue que nous avons initiée en décembre 2012. Pour Fernand Tonin, le formateur, la pratique du journalisme d'agence exige rigueur et ponctualité. Pour la secrétaire générale adjointe, le journaliste doit se remettre souvent en cause, se cultiver, se documenter et surtout cultiver l'humilité. Rappelons tout de même que cette formation continue est l'initiative du ministère de la Communication et en collaboration avec l'Association des professionnels de la presse panafricaine. Dans notre dossier sud-africain, nous nous sommes penchés sur ce tapage médiatique depuis l'hospitalisation de l'ancien président le plus populaire au monde, Nelson Mandela. Les médias ne ratent plus une occasion d'en parler. Les sujets n'en finissent pas. Sa vie, sa santé, sa famille, tout y passe. L'icône de l'anti-apartheid est simplement devenue la source médiatique dénommée Mandela News. Kenny Angouri et Fred Dongo sur place. En faisant le tour des kiosques à journaux, le constat est plutôt clair. Chaque organe de presse se focalise sur ce qu'on pourrait considérer comme les Mandela News. En un mot, l'actualité sur la santé de Nelson Mandela, sa famille et sa vie. Le Mail Guardian, en page 6, met en exergue
la future construction du caveau de Nelson Mandela, faisant allusion aux différends qui opposent désormais les deux clans Mandela, qui en sortira donc vainqueur. Et en page 8 du même journal, un aperçu de la famille Mandela, enfants et petits-enfants, un genre d'arbre généalogique. Citizen, quant à lui, dans sa page 3, titule les différends qui opposent les membres de la famille Mandela, dont l'une des parties demanderait le débranchement des machines et l'autre s'y opposerait. Pour le second camp Mandela, c'est une piste envisageable, mais pas d'actualité. Quotidien Pretoria News, ce sont les sapeurs-pompiers qui ont rendu un hommage à Nelson Mandela en envoyant des messages d'encouragement et des fleurs. Dans le City Press, c'est plutôt les 15 ans de relations amoureuses de Nelson Mandela et son épouse qui font l'actualité. Et le Sunday Times, l'hebdomadaire du dimanche, dans sa parution du 7 juillet, fait état de la santé de Nelson Mandela et accuse les autorités d'avoir menti sur cet état de santé qui serait, selon certaines sources, dans un état végétatif permanent et non plus dans un état critique mais stable. La presse sud-africaine a fait des Mandela News son chou gras et plusieurs autres titres sont à venir. Toujours en Afrique du Sud, après le vif soutien des motards, c'est au tour des boxeurs d'encourager Nelson Mandela dans son combat face à la maladie. Le challenger Zulu lutte depuis plusieurs semaines à la Mediclinic contre un adversaire redoutable managé par la mort. Retrouvons Kenyo Angouri et Fred Dongo. Ils se battaient doublement pour prouver qu'ils étaient à la hauteur de toute épreuve et pour la liberté du peuple noir d'Afrique du Sud. Ils viennent des quatre coins du pays pour se retrouver au sein du Goten Boxing Veteran Association. Tata Madiba a valorisé la boxe sud-africaine parce qu'à l'époque de l'apartheid, il y avait deux classes de boxeurs et lui, il appartenait à la classe de boxeurs noirs. Après la libération de Tata Madiba, nous avons eu le droit de boxer en toute liberté. Ce jour, ils sont venus apporter leur soutien aux champions de tous les temps. May the love of God and the fellowship of the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last, with each and every one of us now and forevermore, everybody say Amen. Amen. Let's give love to one another. Thank you. C'est l'occasion de rappeler au champion Madiba que le temps du combat n'est pas encore fini et d'un uppercut il sortira vainqueur de ce nouveau duel. La note sportive du jour, 9 judokas gabonais ont participé au championnat d'Afrique des juniors d'Alger en Algérie du 1er au 5 juillet dernier. Dès leur retour à Libreville, la Fédération gabonaise de judo et jiu-jitsu a tenu à faire le point de la moisson devant la presse. Reportage de Mamadou Nyang et Justin Bitégué. Le championnat d'Afrique des nations de judo cadets juniors disputé du 1er au 5 juillet dernier en Algérie n'ont pas souri au champion d'Afrique gabonais Arnold Koussou, déçu d'avoir perdu sa couronne. Moi, très grosse déception, j'ai perdu mon titre. C'est pas un manque de concentration. Sur le plan technique, il n'y a rien à reprocher. Après tout, on était au point, on était au point techniquement. Les consignes du coach, on arrive à les respecter, mais vu que j'ai perdu ma demi-finale parce que je peux pas dire que je l'ai perdu, mais pas comme il le fallait. Tout en regrettant la forte pression subie durant son combat, le capitaine de l'équipe nationale a dit sa satisfaction d'avoir accroché une place sur le podium. Au début, j'étais d'abord tellement stressé et tout. Puis c'est pas la première fois que je participe à ce championnat d'Afrique. J'étais pas déçu parce que dans la tête, c'était de monter sur le podium ou pas. Mais je suis très content parce que je suis toujours resté sur le podium. Pour le secrétaire général de la fédération, le judo gabonais a atteint ses limites et doit passer à autre chose pour franchir un nouveau palier. De mon point de vue, le judo gabonais a atteint, dans la manière de faire actuelle, a atteint sa limite. Parce que pour passer au niveau supérieur, il faut au minimum avoir le niveau maghrébin, le niveau sud-africain ou sinon le niveau européen ou asiatique, tout simplement. Remporté par l'Algérie et la Tunisie, les championnats d'Afrique des nations cadets juniors ont regroupé 14 pays dans la capitale algérienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'information continue sur www.gabonnews.com. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée.